au cœur de la mêlée, notre émission du lundi soir sur Sud Radio avec Yuan Ugé, Philippe Spanghero. Sommaire ce soir, le top 14 reparti de plus belle. L'UBB, vainqueur de Toulouse, mais qui fait le jeu du Stade français, seul leader. On parlera avec l'un des hommes forts du club parisien, Mathieu Erigoyen, Bayonne, tombeur de La Rochelle. Pourquoi Jean Daugé reste une telle forteresse imprenable? Réponse avec le coach de Bayonne, Grégory Patate. Et puis Perpignan qui s'impose à Oyonnax et respire. Mathieu Acébès sera avec nous en direct à partir de 20h30. On parlera également de Castres, vaincu par le Racing à domicile. Mathias Roland sera également notre invité. Bonsoir à tous, on est tous ensemble, 0826-300-300. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Vous êtes donc les bienvenus sur Sud Radio. Bonsoir Yuan Ugé, bonsoir Philippe Spanghero et bonsoir Quentin Cabanis. Bonsoir. Salut François, monsieur. Bonsoir à tous. Voilà, non, c'est bien, on est coordonnés, on est parti là, voilà. Allez, on est coordonnés aussi avec les infos. Il y a une grosse info foot avec Johan, on y viendra après. D'abord, les trois premières infos rugby données par Quentin, parce que voilà, si jamais vous n'avez pas suivi l'actu du ballon ovale aujourd'hui, il y avait des news. Exactement, avec Thomas Ramos qui s'est blessé. Il a été remplacé hier dès la quatrième minute du match face à l'UBB au Matmut Atlantique. Succès de l'UBB 31-28. Toulousain Thomas Ramos qui souffre d'une grosse contusion à la crête iliaque. En revanche, une bonne nouvelle pour les Toulousains, c'est Romain Ntamack qui devrait disputer son premier match de la saison samedi prochain à Ernest Vallon. Audience record pour le top 14 hier soir dans cette rencontre entre l'UBB et Toulouse, avec 726 000 spectateurs de moyenne et un pic à plus de 1 million. François, ça va bouger sur le banc de Mont-de-Marsan. Le stade montois a officialisé aujourd'hui le départ de Julien Tasté, qui est pressenti au stade français. En revanche, Patrick Millet, lui, est prolongé, tout comme Stéphane Prosper et Frédéric Urruti. Le Racing 92 et l'USAP ont fait les très belles opérations du week-end en s'imposant à l'extérieur face à Castres et Oyonnax. L'UBB, en battant hier Toulouse dans un match dingue 31-28, remonte à la 3e place du top 14. Le stade français est plus que jamais leader grâce à un succès face à Lyon 22-13. On peut noter qu'il y a désormais 9 points d'écart entre la 5e place Toulon et le 13e Montpellier, et en revanche il y a déjà 11 points de retard entre le 13e Montpellier et le 14e Oyonnax. Voilà les positions qui sont en train de se marquer à 7 journées de la fin du top 14. On va accueillir dans un instant Mathieu Erigoyen, le 3e ligne du Stade français, l'un des hommes forts du pack parisien. Mais avant cela, juste une petite quand même parenthèse foot avec toi, Johan, parce que hier il paraît que il y avait quelques pieds carrés quand même. Oh, pieds carrés. Non, c'est vrai, j'ai eu la chance d'évoluer à Mont-de-Marsan, terrain de rugby, et que je n'avais pas joué depuis longtemps, et avec des gens qui avaient des pieds pas carrés comme moi, et on a pu passer une belle après-midi pour une belle cause, l'UNICEF. Donc voilà, c'est surtout. Et avant tout pour ça, et donc du coup on essaie d'arrondir ses pieds pour profiter de ces moments et donner un peu de plaisir. Mais vous savez, quand le coach le GRS me dit arrière droit, j'ai compris que il avait pas confiance en moi. Quand t'es pas sur toi. Il me dit, tu vois la ligne de touche, tu restes à côté de la ligne de touche. T'as dit ok, je la connais bien, je la fréquentais, ouais, voilà. Un petit peu, je la connais bien. En tout cas, vous avez fait une belle opération et un beau chèque pour l'UNICEF. Allez, on accueille avec nous ce soir Mathieu Erigoyen, donc 3e ligne du Stade français, le leader du championnat. Salut Mathieu. Il est où Mathieu? Il est là Mathieu, salut. Bonsoir, salut, ça va? Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio, et merci parce que oui, ce soir, le Stade français est leader, et seul leader. J'imagine Mathieu que tu as regardé hier l'UBB face au Stade toulousain, et avec un certain intérêt, un double intérêt peut-être. Ben oui, forcément, j'ai regardé le match, on a pu voir une belle partie, c'était assez serré, avec voilà une mi-temps de temps fort pour chaque équipe. Après voilà, on sait que c'est des équipes que potentiellement on va pouvoir peut-être croiser en phase finale, donc on a regardé ça avec un intérêt. Certain. Mathieu, on imagine que cette victoire elle a fait du bien face à Lyon 22-13, et surtout vous êtes quand même les rois du suspense. Vous aimez vous faire peur quand même, non, les stadistes parisiens? Ben oui, avant le match, voilà, on savait que
que notre entame allait être très importante, parce que sur les dernières semaines, on n'était pas assez consistant et voilà, on était souvent mené à la mi-temps et souvent malmené même. Voilà, ce week-end, je pense que l'entame est pas trop mauvaise parce qu'on arrive à dominer, mais pas à scorer. Voilà, j'espère que ça sera mieux les prochaines semaines. Mais bon, oui, c'était un match serré. On savait que ça allait être compliqué, que Lyon venait armé à Paris dans des conditions qui étaient assez compliquées. La météo était pas super. Mais voilà, encore une fois, notre état d'esprit, notre résilience, elle a payé en fin de match. Philippe Spanguero, une question peut-être ou une réaction au propos de Mathieu Irigoyen, troisième ligne du Stade Français Paris. Ouais, bonsoir Mathieu, plutôt une question. C'est vrai que vous êtes un peu difficile à jauger parce que on voit ces matchs finalement pas aboutis. Ça gagne à la fin. Il y a cette force collective de caractère parce que vous avez souvent des retours à faire au score dans des matchs que vous vous rendez un peu compliqués. Il y a un match que j'ai en tête un peu référent, c'est le match sur la pelouse du Racing. Mais on sent en fait que vous courez derrière des matchs référents et on ne sait pas trop vous jauger. On sent qu'il y a un potentiel encore important de progression dans cette saison, même si on est à 7 matchs de la fin. Est-ce que vous le percevez comme ça? Du coup, ben ouais, on sait que pour l'instant, nos prestations, comme je disais, sont pas consistantes pendant 80 minutes. Mais on sait aussi que ce qu'on fait, c'est quand même bien dans l'ensemble. Voilà, je pense que c'est positif pour la suite. Comme tu dis, il nous reste 7 matchs pour arriver prêt et sûr de nos forces. Après, voilà, on travaille, on va avoir des semaines de trous aussi les prochaines semaines. Du coup, ça sera à nous, voilà, de bien travailler tous ces détails pour être performant en fin de saison. Des trous parce que pas de phase finale de Coupe d'Europe, voilà, de Champions Cup. Voilà, on rappelle quand même le calendrier. 4 déplacements pour le Stade Français en top 14, dont Montpellier ce week-end. Ce sera samedi à 15h. On le livrera sur Sud Radio, bien sûr. Et puis 3 matchs à domicile, Bayonne, UBB et Toulon pour clôturer cette phase régulière. Peut-être que Johan a une petite réaction avec Mathieu, formé à Biarritz. Voilà, comme tu le sais, Johan. Oui, je le sais, on suit quand même le top 14. Salut Mathieu. Juste, comment vous pensez, enfin, est-ce que les coachs vous ont un peu alerté sur ces phases de trous que vous avez pu connaître? Parce que quand on ne joue pas pendant 10 jours à l'approche des phases finales, voilà, il y a quand même un danger de ne pas rester en alerte. Et voilà, est-ce que vous avez déjà commencé à préparer ces semaines qui arrivent? Parce que les demi-finales, il y a 80% de chances que vous irez en demi-finale. Donc vous n'allez pas jouer non plus le barrage. Donc ça fait beaucoup de trous, mais ça permet aussi de se régénérer. Salut Johan. Déjà, je pense que t'es un peu ambitieux sur ton pourcentage. Je pense que 80%, c'est un peu élevé. J'ai un peu d'expérience, mais quand il y en a 10 à 10 points quand même, il y a pas trop de danger. Si vous assurez tout à domicile, il y a pas de surprise. On verra. On a déjà une petite planification sur les semaines qui arrivent. On aura un stage qui sera prévu aussi. Mais après, on va profiter de ces trous pour pouvoir bien bosser. Là, après le match de Montpellier, on a une semaine de vacances. Et après le reste du temps, on s'entraînera. Du coup, voilà, on profitera de ces semaines pour se régénérer, pour bien travailler. Et j'espère que la fraîcheur sera présente et qu'on sera performant en fin de saison. Ouais, on peut rappeler quand même tes performances personnelles quand même, Mathieu. 22 matchs sur 23 possibles cette saison, hein, toutes compétitions confondues entre top 14 et Champions Cup. 1336 minutes. J'imagine que tu avais déjà fait une saison comme ça avec Biarritz en top 14 où tu avais, je crois, joué 25 matchs sur 26 possibles. C'est quoi l'ambition pour toi et est-ce que tu as un œil aussi sur l'équipe de France? L'ambition, du coup, c'est de bien finir cette saison déjà. Voilà, c'est le premier objectif. Après, l'équipe de France, forcément, c'est un rêve, mais
Mais je pense que tout se mérite. Voilà, si je dois y être, c'est que je le mérite. Et puis voilà, faut être patient et faut d'abord être performant et bien finir cette saison. C'est le plus important. Voilà, Mathieu, on rappelle, champion du monde des moins de 20 ans en 2019, hein, c'est ça, Mathieu, hein. C'est ça. Voilà, dans ce groupe qui avait vaincu l'Argent, enfin, qui avait remporté le titre en Argentine. Dernière petite question peut-être de Philippe pour Mathieu, que l'on va libérer. Voilà, notre premier invité. Alors comme ça, non, le remercier, le féliciter pour cette saison aboutie quand même, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que le Stade français court derrière cette régularité. Donc là, comme le disait Johan, et forcément c'est tout à son honneur de ne pas le dire lui, mais c'est vrai qu'ils ont quand même fait une grosse partie du boulot pour s'assurer ces phases finales et commencer à planifier un peu la montée en charge jusque là. Donc voilà, c'est déjà, quoi qu'il arrive, une saison réussie pour le Stade français. Et pour Mathieu Irigoyen, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous, Mathieu, en direct sur Sud Radio. Voilà, félicitations pour cette saison jusque-là. Mais le plus dur reste à faire. 7 matchs encore de top 14, 4 déplacements, notamment ce samedi à Montpellier. Merci Mathieu, à bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Allez, on va se retrouver dans un instant. On va bien sûr prolonger ce débat avec vous au 0826-300-300. Et puis, vous retrouvez sur le hashtag, sur les réseaux sociaux, le hashtag Sud Radio Rugby, bien sûr. On va aussi parler de Bayonne dans un instant, juste après la pause, avec notamment l'entraîneur, le manager de Bayonne, Grégory Pata, qui sera avec nous. Bayonne, mais qui reste imprenable à domicile. On va en parler dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Triau. Au cœur de la mêlée sur Sud Radio, une heure pour débriefer du week-end rugby. On parle top 14 ce soir avec le débrief de la 19e journée. On est avec Johan Huger, on est avec Philippe Spanguero, bien sûr, on est avec vous au 0826-300-300 ou sur le hashtag Sud Radio Rugby. Vous nous suivez sur votre smartphone ou encore sur le DAB+. Mais surtout, surtout, on a envie d'écouter peut-être l'essai d'hier, notamment d'un des essais de cette soirée quand même qui a été magnifique. 9 essais que l'on a vécu en direct sur Sud Radio et celui de Damien Penaud. Écoutez. Le coup de pied par-dessus la défense avec l'accélération de Damien Penaud, le coup de pied rasant, l'essai, c'est magnifique, Damien Penaud, le 8e essai de la saison, magnifique coup de pied de Maxime Lucu, et derrière Penaud, comme un joueur des Girondins de Bordeaux, se fait une passe à lui-même au pied, il le récupère et marque ce 3e essai à la 24e minute de jeu. Ouais, Johan Huger, c'est le plus beau match de la saison, ce que vous avez vu hier, ou bon, c'est toujours difficile de comparer parce que la saison est longue et étirée, mais en tout cas, celui qui nous vient en mémoire là, c'était un match référence selon vous? Un match référence, c'était un match, une belle clôture de journée, on va dire, de reprise de top 14. Ça fait une très belle vitrine pour le top 14, j'ai trouvé, avec des internationaux qui étaient revenus. Du suspense, une équipe qui on pense être en dedans en première mi-temps et qui revient. Voilà, il y avait tout, du suspense, du jeu, des essais. Voilà, ça a été un match référence jusqu'à présent, on va dire. Ouais, Philippe, toi, tu l'as ressenti comment? Oui, c'est un des matchs de la saison et franchement, c'est une super publicité pour notre sport parce qu'on parlait des audiences tout à l'heure, on a dépassé le million de téléspectateurs un dimanche soir, c'est énorme et c'est une super belle promotion pour la promotion de notre sport. Et moi, ce qui me surprend, c'est Toulouse. À quel point à chaque fois ils arrivent à se mettre au niveau, parce que bien sûr ils perdent, mais on sent qu'au début ils sont pas dans le coup de l'intensité proposée par les Girondins, et puis ils se mettent vite au diapason, quoi. Et donc on a l'impression que Toulouse, peu importe contre qui ils jouent, il y a pas toujours la victoire au bout, mais vraiment quand ils disent bon ben voilà, enfin ils répondent à ce qu'on leur propose en permanence. Et donc c'est ce qui était intéressant dans la physionomie de ce match, c'est qu'il y a eu une mi-temps pour chaque équipe et qu'on s'est régalé. Ouais, on s'est régalé aussi et on se régale depuis le début de la saison aussi avec la ténacité de l'aviron bayonnais à domicile. Voilà, et Bayonne qui a battu La Rochelle 13-12, qui menait 13-0 face à La Rochelle, qui a tenu, qui n'a encaissé un essai qu'à la 73e minute. Bref, on voit beaucoup de belles valeurs sur la pelouse de Jean Dauger. Et pour en parler, on est heureux d'accueillir ce soir Grégory Pata, entraîneur de l'aviron. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Voilà, on imagine que sur le banc, ça ne doit pas être complètement reposant ce type de soirée, mais il y a quand même un fluide particulier à Jean Dauger. Expliquez-nous.
Oui, c'est par opposant, c'est comme tous les week-ends en top 14 où on a un championnat qui est très homogène. Maintenant, c'est vrai qu'on arrive à performer à chaque fois à domicile en se servant de cette énergie de Jean Daugé qui est tout simplement extraordinaire. Voilà, un essai de Tatafu en début de match, c'est vrai. Il y a toujours quand même aussi la longévité de Camille Lopez, son rôle aussi quand même. C'est assez impressionnant. C'est des choses sur lesquelles toi, on va se tutoyer, Grégory. Toi, tu appuies ou ça se fait tout seul? Ben c'est vrai qu'en France, on a toujours un petit problème avec l'âge. Donc, passer un certain âge, on a besoin de renouveler en France. Mais avec Camille, ben, chez nous, on a commencé notre histoire ensemble puisqu'on est arrivé à l'Aviron l'année dernière. C'est un leader extraordinaire. C'est un joueur sur lequel on s'appuie énormément de par son expérience. Et c'est vrai que bon, on est dans un projet partagé avec les joueurs, et c'est vrai que c'est l'un des joueurs qu'on voit le premier dans la semaine. Il inculque son savoir-faire à tout le monde, et c'est vrai qu'il répond présent en plus sur le terrain. Voilà, qu'on voit que c'est le joueur qui a encore le plus gros taux de réussite au niveau des pénalités. Mais on ne se prive pas d'un tel joueur. Johan Huget, qui connaît bien la maison bayonnaise, est avec nous. Oui, salut Greg. Écoute, j'étais au match ce week-end. Il y a toujours cette ferveur, hein, le stade a un peu évolué, et félicitations pour tout ça. Est-ce que tu as douté à un moment donné, quand tu as vu toutes ces pénales touches que les Rochelais ont pris, tu t'es dit, ça y est, ils ont enclenché la marche en avant, et voilà, vous avez fait preuve d'abnégation et de courage devant votre ligne à chaque fois, ça a été incroyable. Ouais, j'ai douté parce que il faut, face à ce type d'équipe, il faut laisser peu d'opportunités de marque, et quand on connaît la valeur de leur paquet d'avant, quand ils rentrent dans les 22 mètres, ils deviennent très dangereux puisqu'ils imposent beaucoup de puissance. On leur a laissé trop d'occasions à mon sens. En première mi-temps, on fait une première mi-temps assez aboutie, où on n'est pas indiscipliné, on a qu'à 4 fautes. Mais après, on se fragilise énormément sur la discipline, avec des positions de hors-jeu gratuites et des sorties de camp approximatives, ce qui nous a mis énormément sous pression. Et si on ajoute, on a une occasion d'essai en première mi-temps à 10-0, qui peut nous faire basculer à 15, voire à 17. Je savais que chaque point allait compter face à une telle équipe qui venait avec beaucoup d'ambition. Peut-être Philippe. Que leur banc était plus performant qu'aux finisseurs, on va dire, qui sont rentrés. C'est vrai qu'ils ont commis beaucoup de fautes. Alors, soit ils étaient pris par la vitesse, ou voilà, des fautes assez faciles, on va dire. Ouais, c'est ce qu'on a débriefé aujourd'hui, parce qu'on a été pris sur des positions de hors-jeu gratuites. On arrivait à gagner, à maîtriser les collisions, soit en le ralentissant un peu les rucks, mais on s'est mis sous pression trop facilement. Je crois que les peu d'opportunités qu'on a eues de rentrer dans leur camp, eh bien, on a perdu les ballons parce qu'on a voulu faire des choses un peu plus compliquées, et ce qui fait qu'on n'a eu aucune possession dans leur camp. On n'a joué que dans notre camp, et c'est difficile de résister dans ces cas-là. 16 pénalités concédées hein, par les Bayonnais, par ton équipe, Greg, samedi. Philippe. Ouais, bonsoir Greg, une question rapide. C'est vrai que quelque part, votre équipe, elle me rappelle Castres il y a quelques années, que je suivais beaucoup. Ils avaient cette capacité à renverser des situations à domicile surtout. Il y avait ce caractère collectif. Là, ça devient un peu une habitude. Vous jouez à vous faire peur. C'est des scénarios toujours un peu compliqués, mais qui vous permettent de rester dans le coup parce que, on le disait, le championnat est hyper dense. Est-ce que la gestion avec cette Coupe d'Europe que vous avez eu à vivre là pour la première fois a été compliquée à digérer sur les deux tableaux? Alors, elle n'a pas été compliquée à digérer parce que, avec tout le respect que j'ai pour la Champions Cup, bon, on se veut un club qui veut grandir, et on voulait se servir de cette compétition, mais pour toucher à ce qui se fait de mieux, quoi. Voilà.
Et j'ai pris le parti de faire pas mal de turnover dans cette compétition. Donc on n'a pas trop subi les méfaits en termes d'énergie, en termes de ressources physiques sur cette compétition. Parce que bon, nous, c'était que du bonus. Il faut savoir qu'on n'était que le promu l'année dernière. On finit huitième, qui était une place qualificative. Mais on est tout autant conscient de notre niveau. Voilà, aujourd'hui, le top 14 est très homogène. Donc, nous, la priorité, ça a été dès le départ le top 14. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on... Voilà, comme tout compétiteur, nous sommes ambitieux, nous voulons aller le plus haut possible. Mais franchement, ce championnat, il est très énergivore parce que un résultat négatif ou non prévu peut vite te fragiliser. Pardon, je rebondis, Greg, mais est-ce que tu as le souvenir qu'il y a eu un championnat? Parce qu'on dit tous les ans que c'est homogène, mais là, quand on regarde à 7 journées de la fin, le nombre de points d'écart entre le dernier qualifiable et le premier non relégable, 9 points, je suis pas sûr que ça a déjà été vu, quoi, parce que là, il y a une bagarre à ce niveau-là, si près de la fin, qui est quand même hallucinante, quoi. Non, c'est terrible, vous en parliez avant que j'arrive à l'antenne. Et en plus, il y a des beaux matchs. Oh, c'est ça qui est super excitant dans ce top 14, mais c'est très fatigant, voilà, parce que à l'Aviron, on fait une saison quand même qui est bonne. On est encore l'une des seules équipes invaincues à domicile avec Toulouse. On a gagné quelques points à l'extérieur, mais c'est pas suffisant. Il en faut encore plus. Et de mémoire, non, je n'ai pas le souvenir d'une telle homogénéité de championnat. Maintenant, c'est pour les spectateurs, pour tout le monde, mais ça en fait une compétition très enrichissante et très intéressante pour tout le monde. Bonsoir Grégory. Ce week-end, c'est un match un peu spécial pour vous à domicile puisque vous êtes en délocalisation face à Toulon. On se souvient que l'année dernière, ça a été la seule défaite finalement à domicile de la saison, cette délocalisation. Vous l'abordez comment ce match, vous, là? Non, on a hâte d'être à notre état dimanche soir. Voilà, c'est encore des émotions extraordinaires qui vont nous être offertes. Voilà, on n'est pas Jean Daugé, mais on va jouer devant 35 000 ou 39 000 spectateurs. Donc, ça, en tant que compétiteur, c'est des émotions que l'on recherche avant tout. Voilà, et puis dans notre construction, ça va servir pour le club économiquement à rentrer de l'argent, comme on dit. Et puis nous, on dit qu'on veut grandir, qu'on veut un jour s'inscrire. Pourquoi pas d'aller prétendant aux 6 premières places. Donc ça, c'est des matchs intéressants à jouer qui, voilà, dans une autre atmosphère et qui vont servir pour nous et ambitionner quelque chose de meilleur. On dit que la France manque de piliers droits. Visiblement, Grégory, t'en as un qui Tatafou qui pourrait intéresser le 15 de France. Est-ce que c'est un dossier que tu suis? Est-ce que le joueur t'en parle? Oui, bon, on a déjà longuement échangé avec William Servat à ce sujet. Voilà, aujourd'hui, Tevita n'est pas éligible pour l'équipe de France. Il lui reste encore un an pour l'être. Voilà, c'est un garçon qui n'a que 21 ans, qui a toutes les qualités pour prétendre au plus haut niveau. Voilà, aujourd'hui, ça reste un jeune joueur. Il répond plus que très bien dans les attentes de la spécificité au poste, c'est-à-dire la mêlée, la touche et les plaquages. Voilà, aujourd'hui, il manque encore un peu de déplacement. Voilà, pour le haut niveau. Maintenant, ça va venir avec le temps, avec cette expérience qu'il va acquérir au fil des matchs. Mais oui, ça va être un fort potentiel et j'espère le voir en équipe de France parce que c'est un garçon qui est rayonnant, qui est solaire, comme peuvent être ses Iliens, et il travaille en ce sens pour décrocher une cape en équipe de France. Il en a envie, en tout cas. Voilà, c'est ce que ça veut dire quand tu nous dis ça. Ouais, complètement. Il aurait pu être international
Tongien. Il ne le veut pas, il veut être un international français, c'est clair dans sa tête, et il a cet objectif bien clair et il se donne les moyens pour y aller. Voilà, il sera même peut-être aussi dans une équipe du Pays Basque un de ces jours, on l'espère en tout cas. Merci Grégory d'avoir été avec nous, Grégory Pata, manager du, et entraîneur de l'Aviron Bayonnais, qui est toujours dans le coup et qui accueille Toulon dimanche soir, ça on le vivra bien sûr sur Sud Radio. Merci Grégory, bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Dans un instant, on va parler toujours avec Yuan Ugé, avec Philippe Sanguero, toute l'équipe Sud Radio et vous bien sûr au 0826 300 300. On va parler de Perpignan qui a fait le gros coup du week-end en s'imposant du côté d'Oyonnax. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Triot. Avec vous les passionnés de rugby, des auditeurs Sud Radio pour cette émission de débrief le lundi de 20h à 21h. Yuan Ugé, Philippe Spanguero, tout le monde est là bien sûr. Quentin Cabanis bien sûr, on revient sur la journée, la 19e journée du Top 14. Et dans cette 19e journée, eh bien Perpignan a fait un gros coup, victoire 15-14 à Oyonnax. Pour en parler, on va dire l'un des joueurs emblématiques du Top 14 et de l'USAP, c'est Mathieu Acébès qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous en direct. Voilà, on imagine quand même que le dimanche et le lundi ont dû être un peu plus cool à Perpignan depuis cette victoire d'un point, mais méritée à Oyonnax. Ouais, effectivement, c'est quand même un beau soulagement parce que Oyonnax, on les savait très difficiles à manier chez eux. Ils ont remporté des matchs assez importants face à des écuries de top 14 bien aguerries. Donc voilà, on redoutait fortement ce match et à juste titre. Et on a réussi à remporter ce match. Et c'est bien là l'essentiel, même si c'était pas un match fantastique. Il nous fallait gagner et avoir cet objectif. Déjà de ne plus être dernier du top 14 maintenant, ça veut pas dire qu'on est encore maintenu, mais déjà voilà, ça va être il y a de fortes chances qu'on ne soit pas dernier. Voilà, mais en tout cas cette équipe a du caractère, elle le prouve d'une journée sur l'autre, voilà. Et Yuan Ugé et Philippe Spanguero sont là. Yuan, peut-être que t'as déjà croisé Mathieu, donc j'imagine que vous avez des histoires déliées à vous raconter aussi à l'antenne. Salut Mathieu. Non, l'histoire d'Eli, on s'est pas trop croisé avec Mathieu. On a joué beaucoup ensemble quand on était jeunes. Mais après, on s'est pas trop croisé sur le terrain. Il était mon voisin à Tarnos parce qu'il est là-bas. Donc, je le croisais souvent en vélo. Et en train de travailler aussi. Travailler, Mathieu, c'est un grand homme d'affaires, vous savez. Au-delà de sa tunique sans et or, il dort pas, le mec. Hein, je peux vous le dire. Que lui, après le rugby, il peut arrêter tranquille. Il est à la moitié de la France. Ouais. Mais Lifi lui a fait mal. Non. Je suis un humble artisan. Ouais, bien sûr. Non, sans souci, mais dis-moi, Mathieu, ces retours de Oyonnax, ou Oyonnax, parce qu'on ne sait pas comment on dit, il se passe toujours mieux avec la victoire, mais avec l'âge, c'est quand même long, hein, non? Ouais, alors je vais pas te cacher que j'ai ma place particulière dans le bus avec deux petits matelas que je me laisse dans le bus avec deux petits coussins. Je suis couché entre quatre sièges et j'avoue que je pense que mon voyage a été plus facile que les autres de l'équipe. Je dois dire la vérité. Ah ouais, d'accord. Ça, ah ouais, ils sont pas tous logés à la même enseigne. Ça c'est avec l'expérience et l'âge. Non, mais je vais monnayer cette place à la fin de l'année. Ah, t'as raison. À qui tu penses pouvoir hériter cette place? Bah, qui va hériter de ta place? Tu connais, il y a l'histoire d'ancienneté, donc ça sera certainement un des plus anciens qui va la reprendre derrière. Ah ouais, il y a aussi une hiérarchie dans le bus quand même. C'est voilà, mais enfin quand même un certain sens des affaires quand même pour confirmer les propos de Johan. Vous avez vu quand même. Philippe pour Mathieu Acébès. C'est un Basque, n'oubliez pas, c'est un Basque avant tout.
Ouais, Mathieu, salut, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Écoute, on est heureux pour vous, bien sûr, parce que on sentait le potentiel de cette équipe en début de saison et il y a ce démarrage complètement raté avant la Coupe du Monde qui vous a fait mal. Mais là, on sent ce caractère collectif et cette dynamique. On a posé la même question à Franck Azéma, alors je me doute un peu de la réponse. Mais toi qui as connu vraiment des années difficiles à l'USAP, là, ce match, il vous permet de vous sortir un peu la tête de l'eau, et voire même un peu de regarder vers le haut, non ? Est-ce qu'il n'y a pas une envie, quand on est compétiteur comme vous, de se dire « putain, mais on rivalise avec tout le monde, la dynamique est pour nous, vous proposez un joli rugby ». Est-ce que là, maintenant, vous basculez pas dans une volonté de vous dire « est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller chercher en haut plutôt que de regarder en bas ?» Alors honnêtement, et je ne vais pas faire de langue de bois, Philippe, tu parles du passé, on a tellement été quand même traumatisés par ce passé, ces deux access matchs qui ont été quand même véritablement difficiles à vivre, parce que c'est toujours difficile de... On en avait déjà parlé, je crois, l'année dernière, de tout jouer sur un match, et de pouvoir tout perdre et seulement gagner le droit de rester en top 14. Donc honnêtement, il reste 7 matchs. On veut se concentrer sur nos prestations et livrer des prestations abouties sur les 7 matchs qui arrivent. Et on fera les comptes à la fin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'équipe, elle a montré un gros caractère, parce que commencer comme on a commencé avec 4 défaites, je crois, et revenir de là où on est revenu avec un climat particulier, hostile autour de Perpignan, parce que les supporters, et je retiendrai toujours ça de mon ancien entraîneur Patrick Arletta, ce qui disait Perpignan, c'est le plus bel endroit pour jouer au rugby si tu gagnes, mais ça peut être le pire aussi si tu perds. Les supporters sont très exigeants, on te laisse rien passer, donc il faut savoir vivre avec cette pression dans ce club. Et c'est vrai que aujourd'hui, force est de constater que on fait pas partie des top clubs de ce top 14 aujourd'hui, et on se bat pour essayer d'exister dans ce championnat et surtout de pérenniser le club qui mérite et qui a toute sa place. Et ça fait plaisir quand on voit ne serait-ce que Hugo Mola qui vient à Aimé Giral et qui envoie de très bons commentaires sur le stade, son ambiance et tout ça. Voilà, je pense que la place de l'USAP, elle est en top 14 et elle est bien confirmée en top 14. Donc on va faire tout pour éviter de passer par cet access match en fin de saison. 0826 300 300, bien sûr, vous êtes les bienvenus au standard. Et Vincent est avec nous, supporter de l'USAP, qui est là pour échanger avec Mathieu. Bonsoir Vincent. Salut à tous, salut Mathieu. Salut. Salut, bon, on se quitte plus, on se voit au Rio, on se voit maintenant par la radio, bientôt on va aller boire les bières ensemble. À ce rythme. Vincent, tu faisais partie des 500 qui ont fait le voyage? Bien sûr, je suis président d'un club de supporters, on était 200 nous, à Rio sur les 500. Ah putain, bravo, c'est magnifique. Et franchement, quand j'ai vu toute la tribune à un moment derrière, avec tous les Catalans, c'était beau à voir. Et est-ce que Vincent, t'as une place dans le bus comme Mathieu, avec des petits matelas, un peu... Alors, moi je suis pas calé entre une coussin et un matelas, moi j'étais calé entre la glacière avec les bières, et de l'autre côté, la charcuterie, le saucisson et tout ça, donc c'était un autre concept. Bon... parle-nous peut-être, Vincent, toi, de la façon dont tu as vécu ce déplacement au Yona, parce que bon, il y a quand même deux beaux essais perpignanais. Moi, ce que j'aime dans cette équipe, c'est que même avec la pression du maintien, qui est quand même pas une pression toujours très positive, cette équipe joue. Ça joue, ça fait plaisir tous les week-ends, parce que même quand on voit l'USAP sur des matchs comme même quand il y a des défaites, on se souvient en début de saison le match à Toulouse où on s'incline, mais malgré tout on met 4 essais. Là, on a mis 3 bonus offensifs depuis la trêve de Noël. Donc voilà, on se rend compte qu'il y a vraiment une vraie dynamique, une volonté de jeu, et c'est sûr que l'équipe, quand elle est au complet, elle est vraiment compétitive. Et là, surtout, le match à Oyo, ce qui a été impressionnant, c'est que même depuis nos 30 mètres, on a essayé de remonter les ballons, on a eu... Voilà, alors ça n'a pas toujours marché, bien sûr, il y a eu des déchets, mais on a senti une équipe qui avait vraiment confiance en elle, qui avait envie de porter le ballon, de faire mal. Et au final, je pense que quand on regarde le match, c'est l'équipe qui a voulu le plus jouer, qui l'a remporté. Donc, voilà, nous, on a eu un peu de frustration dans les tribunes, parce qu'on se disait, c'est pas possible, on va finir par le perdre ce match, alors qu'on doit le remettre 30, vu les tribunes.
on laisse 8 points au pied, on a un essai, on en a un but. En première mi-temps, on a une série de mêlées où on ne va pas marquer. Mais au final, c'est aussi la force de caractère, la défense qui a été énorme et la discipline. Donc voilà, beaucoup de joie. Et je dois vous dire une chose, c'est que moi j'ai passé une deuxième mi-temps. Je crois que c'est la pire deuxième mi-temps de ma vie, parce que ça a été, enfin, peut-être pas de ma vie, mais en tout cas depuis le début de la saison, avec un stress terrible, parce que je me disais, si on perd, on se tape 8 heures de bus, ça va être infect. Donc rien que pour ça, ça va être le coup de gagner. Mathieu Acébès, réaction à la fois sur le stress du maintien, on a l'impression qu'il vous habite pas, en fait, que vous arrivez à vous libérer dans le jeu, Mathieu. Ouais, mais alors c'est paradoxal, mais c'est vrai que on sent une forme de sérénité dans cette équipe, parce que malgré toutes les expériences vécues, bon voilà, sur les deux matchs précédents et cette année qui a été faite de très bas en début de saison et de haut récemment, on sent de la sérénité dans l'équipe. Preuve en est, au coup de sifflet final, j'ai pas l'impression d'avoir vu les joueurs sauter de joie comme si c'était incroyable ce qu'on avait fait. J'avais l'impression que c'était normal d'avoir gagné. Et alors bien sûr qu'on a été communié avec ces supporters qui ont fait le déplacement à Oyonnax, et c'est quand même quelque chose qui nous touche fortement. On va pas mentir, hein. Quand on arrive au stade et qu'on voit cette haie de supporters qui a fait 8 heures de bus, qui s'est levé à 5 heures du matin pour venir à Oyonnax nous soutenir, ça met une forme de pression, une bonne pression, et surtout de fierté. De fierté de te dire que tu appartiens à un club assez spécial avec des supporters très spéciaux, et ça donne envie d'être au rendez-vous sur le terrain. Je pense que tout le monde a répondu présent. Le match était assez cadenassé quand même, parce que quand on voit le score 14-15, ça n'a pas été un match avec des grandes envolées, mais en tout cas nous, dans le jeu, pour revenir à tes propos du début, on a été libéré, dans le sens où on ferme pas le jeu, on essaye de respecter le rugby, on essaye de jouer quand il faut jouer, de taper quand il faut taper, et surtout ce week-end, je trouve qu'on a été très discipliné, ce qui nous a permis d'être vraiment bien dans le match. Vincent, peut-être encore un petit échange avec Mathieu avant bien sûr de donner la parole à Johan et Philippe. Vincent. Ouais, ben moi je sais que Mathieu peut pas vraiment le dire, mais nous, quand on fait notre petit calcul et quand on voit le calendrier qui nous attend, évidemment que la priorité, l'ultra priorité et l'unique priorité aujourd'hui, c'est la deuxième place. Mais nous, en tant que supporters, on se demande si on n'a pas le droit de s'autoriser à rêver, dans le sens où les déplacements qu'on a, ben c'est à Montpellier, c'est à Bayonne, c'est à Pau, et on a 4 réceptions. Donc la question, c'est, enfin, je sais pas, et je sais que Mathieu, tu pourras pas me répondre comme ça, mais nous on y croit, et alors on se dit pas qu'on va aller chercher la qualif, mais des fois il y a des séries, et là on vient de battre Toulouse, on vient de battre Oyo, on a 2 réceptions qui arrivent. Si on fait un 4 à la suite, je peux dire qu'à Montpellier tu vas avoir 3000 personnes qui vont se déplacer, et on va pas les entendre les Montpelliérains pour aller chercher la victoire suivante. Donc voilà, donc ça va être je pense qu'on va avoir une fin de saison incroyable, et là il faut, si on confirme contre Castres et Lyon, je peux vous dire que ça va être une folie furieuse cette fin de saison, quoi. Mathieu. Non, mais c'est beau de rêver. Après, nous bien sûr qu'on est obligé de garder de la mesure dans nos propos, surtout d'être dans la réalité. Et la réalité, et encore une fois, je mens pas, et Johan pourra le confirmer, le top 14, c'est un championnat tellement intense, tellement dur, où chaque week-end, il peut se passer tellement de choses, et des fois, c'est pas toujours le meilleur qui gagne, ça va très très vite, un ballon tombé, un essai en contre, enfin voilà, on est vraiment pas maître, et c'est pour ça aussi, c'est ce qui fait la beauté du sport et de ce sport en général, c'est qu'il n'y a pas de vérité, donc il faut rester très humble et travailler, essayer de maîtriser tout ce qu'on peut maîtriser. Et il y a toujours une part de chance et de réussite, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Il y a une partie un peu liée au destin. Moi, je crois un peu au destin. Donc voilà, nous, on fera tout ce qu'on peut pour faire au maximum, et après, on verra à la fin.
Surtout, bon. Surtout que vous recevez Castres qui a perdu à domicile. Donc les voyants sont d'autant plus en vigilance rouge que parce que là, ils vont avoir envie de se rattraper. Ils sont sortis du top 6. Donc ça s'annonce une belle bataille encore pour vous. Hein. Mathias Roland sera d'ailleurs notre prochain invité. Tu connais Castres. Hein. Ouais, c'est pour ça. petite question de Quentin, je crois. Oui, bonsoir Mathieu. Vous avez dit que vous quitteriez l'USAP à la fin de la saison. Je voulais savoir justement vers quoi vous allez vous projeter. Vous allez continuer peut-être ailleurs ou est-ce que c'est un poste d'entraîneur qui peut vous intéresser ou alors couper complètement ? Un poste de président même. Pourquoi pas ? Ouais, alors honnêtement, voilà, ça a été un peu relayé un peu partout dans les médias. Un peu à mon encontre parce que bon, c'est parti d'une discussion avec Jean Bouilloux qui me demandait ce que j'allais faire. Je pense que c'est le moment pour moi d'arrêter à l'USAP. On m'a donné une mission quand j'ai pris le capitanat, c'était de remonter en top 14 et de pérenniser le club en top 14. Ça fait des années que ben voilà que je suis sur le terrain, que je donne mentalement, physiquement, et c'est quand même assez éreintant. Je suis très bien physiquement, mais voilà, aujourd'hui, je sens qu'il faut que j'arrête à Perpignan et que c'est le moment pour moi. Et voilà, je me sens fier. J'ai pas de honte à le dire. Je me sens bien dans ma tête. J'ai préparé mon après carrière. J'ai fait beaucoup de choses pendant ma carrière. Voilà, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être bien. On en parlait en rigolant avec Yohan tout à l'heure, mais c'est vrai que depuis mon plus jeune âge, depuis 19 ans, je travaille à côté sans rien dire à personne. J'essaie d'avoir un équilibre et aujourd'hui, bien entendu, que le rugby, ça fait partie de ma vie et c'est ma vie, mais il faut savoir aussi, à un moment donné, passer à autre chose. J'ai pas dit que je ne resterai pas dans le rugby. J'ai pas dit que je fermais la porte à autre chose, mais pour le moment, dans ma tête, j'ai envie de profiter avec Perpignan. Il me reste 7 matchs. J'ai envie de prendre tout ce qu'il y a à prendre avec Perpignan, de communier avec les supporters, ma famille, mes amis, et vraiment finir sur une très bonne note à Perpignan. Et ça sera la plus belle chose qui peut m'arriver. Et après le reste, je trouverai toujours quelque chose à faire. J'ai encore de l'énergie. Voilà. Bon, c'est une belle conclusion et surtout Mathieu, on te souhaite une belle fin de saison avec du caractère comme tu as sur le terrain. C'est toujours un plaisir de te voir et toi et ton équipe. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Mathieu Acébès, capitaine de l'USAP donc pour cette opération maintien, voire plus si affinité, hein, puisque si on suit Vincent, notre supporter passionné de l'USAP, il peut y avoir plus et notamment donc avec ces deux matchs à domicile, Castres et Lyon. Castres, justement, on va en parler dans un instant avec Mathias Roland, le directeur sportif du Castres Olympique qui est avec nous. On se retrouve dans un instant ou pas, Quentin? Oui, dans un instant. 0826 300 300, vous êtes les bienvenus au Standard Sud Radio dans Au Cœur de la Mêlée. Sud Radio, Au Cœur de la Mêlée, François Triot. Avec vous les passionnés de rugby pour cette émission de débrief au cœur de la mêlée. On revient sur la 19e journée du top 14. On a eu Mathieu Erigoyen, on a eu Grégory Pata, il y a eu Mathieu Acébès. Voici Mathias Roland qui est avec nous en direct sur Sud Radio, le directeur général du Castres Olympique. Salut Mathias. Bonsoir François. Merci d'être avec nous en direct. Philippe Spanguero est là, Johan Hugé également, Quentin Cabanis, toute l'équipe bien sûr, les auditeurs. Voilà, Philippe, tiens, première question pour Mathias, avec un Castres Olympique, on le rappelle, battu sur sa pelouse in extremis 23-21 par le Racing. Philippe. Ben, salut Mathias, alors pas de question, bon, bien sûr de la déception pour vous parce que c'était un match important à domicile. On sait que vous avez su réagir à l'extérieur, on l'a vu à Pau notamment cette année là dans un grand match. Donc là j'imagine que la cible est mise sur ce déplacement à Perpignan. Après on le dit, on se posait la question avec Greg Pata et tu as peut-être la réponse, mais est-ce qu'il y a déjà eu autant de densité dans ce championnat entre la dernière place qualificative de sixième et la première place de non-relégable, parce que c'est quand même cette année assez impressionnant en termes d'incertitude, quoi. Ouais, bonsoir Philippe. Écoutez, effectivement, beaucoup de déceptions samedi soir, surtout au vu du scénario et de l'investissement des garçons. Après, pour te répondre, non, enfin chaque année, en fait, c'est de plus en plus dense, quoi. Et puis je crois qu'on le dit à chaque fois,
ça devient un peu un lieu commun de dire que chaque année c'est de plus en plus concurrentiel. Donc voilà, ça l'a encore démontré ce week-end, ça le démontre, je pense, depuis très longtemps, parce que depuis presque la mi-championnat, on a l'impression qu'il y a que des matchs au couteau, où chacun joue quelque chose, et puis surtout, ce qui est très dur pour se projeter, c'est que hormis les deux premiers, je pense, voilà, tout le monde en deux matchs peut se retrouver soit qualifiable, soit pas loin de la zone rouge, donc... C'est ce qui rend le top 14 hyper élitiste et très intéressant. Ouais, ce qui est étonnant, Mathias, c'était, on va dire, il y a eu ces petits trous d'air en première mi-temps qui ont fait que vous étiez mené 20-6 au repos. Puis après, il y a eu quand même un réveil en deuxième mi-temps. Comment les joueurs, on peut expliquer c'est lié uniquement à l'opposition, ou il y a eu un petit problème dans le match, une absence? Non, mais c'est lié à des erreurs, je pense. Voilà, c'est plutôt dommage que ça en était en place collectivement. Et puis bon, malheureusement, voilà, des petites erreurs qui ont fait qu'on a pris deux essais face à une très belle équipe, dans tous les cas, qui était venue en plus avec toutes ses armes. Donc voilà, ça nous a obligés à mettre beaucoup d'énergie, et c'est assez remarquable, hein. D'ailleurs, la manière dont on a pu revenir dans le match, en étant proche de notre ligne, notamment à 29, on a réussi à s'en sortir, et puis on pensait avoir fait le plus dur en repassant devant quelques minutes de la fin, et franchement les garçons ont démontré de la qualité et un gros courage pour revenir, et puis bon voilà, quelques faits de jeu et malheureusement on l'a perdu, mais voilà, c'est une récurrence un peu, être mené au score et revenir derrière, nous a coûté cher ce coup-ci, quoi. Voilà, c'est pas toujours facile. Johan, pour Mathias Roland. Ouais, salut Mathias. J'ai senti les joueurs après leur débauche d'énergie pour revenir déjà au score et passer devant et avoir cette dernière pénalité. Les joueurs extrêmement abattus, vraiment marqués physiquement et mentalement. Tu penses que voilà, vous avez trouvé les ressources pour aller vous imposer à Pau. Tu penses que ça va être encore sur ces 7 derniers matchs les remobiliser déjà mentalement avant physiquement pour aller chercher des victoires à l'extérieur pour rentrer dans les 6. Oui, bonsoir Yann. Oui, effectivement, tout le monde a été abattu après le match, hein, naturellement, puis notamment par rapport à l'énergie qu'ils avaient mis. Dans tous les cas, la saison s'arrêtera pas après Perpignan. Faut pas se leurrer, ça va être très compliqué. On a en plus de la casse, même si on a certains examens. Donc voilà, quoi qu'il arrive, ce sera pas terminé. Il restera 6 matchs derrière celui-là. Donc on va essayer de relever la tête déjà et de se retrouver déjà collectivement, faire le meilleur match possible. Après, bon, encore une fois, on aura d'autres réceptions, d'autres scénarios. Voilà, je pense que une des caractéristiques aussi de ce top 14, c'est des séries. Rapidement, on peut faire des séries positives et puis on était troisième il y a encore quelques semaines, quoi. Et puis voilà, là, on se retrouve en dehors des 6. C'était un peu le cas du Racing aussi, qui il y a 2 matchs en arrière était un peu au fond du saut et qui maintenant sont repartis sur une super dynamique. Donc voilà, ce sont les plus résilients pour prendre un terme à la mode qui arriveront à sortir dans ces 6. Bonsoir Mathias, il y a eu 3 défaites cette saison à domicile pour le Castres Olympique, c'est quelque chose qui arrive quasiment jamais. Est-ce que du coup vous pensez que là vous allez être obligé d'aller faire un résultat à l'extérieur pour les compenser, ou pour l'instant il n'y a pas d'inquiétude? Bonsoir, alors quasiment jamais, oui, au CO, vous voulez dire? Oui, ouais, oui, bien évidemment, ouais. C'est sûr que je crois qu'on allait faire un résultat, il nous reste quelques déplacements, bon voilà, il faudra, je vais pas vous dire un lieu commun, mais il faudra bien sûr gagner le maximum de matchs, en sachant que c'est très dur de faire des prévisions. Vous l'avez dit avant, je vous ai écouté, parce que effectivement, je me demandais si vous m'avez pas oublié, donc j'étais à deux doigts de m'endormir, vous savez, j'avance dans l'âge. Ouais, c'est moi, c'est moi, Mathias, qui a oublié de t'envoyer un petit texto, pardon, de modification d'horaire. Voilà. Du coup, j'ai eu la chance d'écouter votre émission et de voir vos paroles. Et effectivement, c'est très dur de faire des prévisions, donc même par rapport aux saisons précédentes, où il y a un certain nombre de points, on pourrait espérer se qualifier. Là, on verra bien, mais bon, c'est certain que sur les 7 matchs qui nous restent, il faudra
certainement en emporter 4 pour pouvoir se qualifier. Ouais, et quand même, Castres est habitué aussi à des belles fins de saison, si on se remémore les dernières saisons. Justement, est-ce que là, il y a une façon de mobiliser les troupes qui est propre peut-être à votre histoire et dont tu es le porteur aussi, Mathias? Comment, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour justement resserrer le groupe, des stages, des choses comme ça, pour aborder ces 7 dernières journées? Alors, pas dans l'immédiat, mais effectivement, il y aura un stage mais qui est prévu depuis le début de la saison. Mais voilà, se retrouver, c'est sur nos vertus collectives, hein, qui ont fait notre force depuis de nombreuses années maintenant. Et voilà, sortir de ces petits errements individuels qu'on peut avoir, se retrouver autour du collectif, autour de nos cadres, autour de nos forces, parce qu'il y a quand même des gros points forts cette année au CO. Voilà, c'est pas, on va pas changer de recette, voilà, surtout en allant à Perpignan où on sait que ça va être forcément un très haut combat. Enfin, c'est une équipe en plus qui met beaucoup de volume, donc voilà, la recette c'est celle-là, hein. C'est en tous les cas se retrouver sur ce qui a fait notre force depuis de nombreuses années. On l'imagine. Maxime est avec nous, il l'a appelé au 0826 300 300. Maxime, plutôt supporter de Clermont, du coup je crois que Clermont-Castres, ça sera vers la 24e journée. C'est pas pour tout de suite, Maxime, mais peut-être que tu as un regard sur la saison des Castrés qui peut ressembler à celle de Clermont, Maxime. Exactement, bonsoir messieurs. Bonsoir. Et oui, exactement, c'est que on a eu l'honneur, la chance de gagner, et ça s'est joué, je me rappelle, à quelques secondes à Castres. Mais c'est vrai que je crois que, et je rejoins Mathias sur son intervention quand il parle de, voilà, de que ben c'est un top 14 qui est très serré. Et c'est vrai que ben nous à Clermont, on parle déjà de, enfin on parlait presque de crise, parce que ben on regarde plus derrière nous que devant. Mais c'est ça, c'est, je veux dire, ça peut rapidement, tout peut basculer, c'est qu'une question de série, et c'est très compliqué. Et Castres, c'est pareil, c'est ça, ils étaient dans les 6 il y a 2 journées, et voilà, et là ils sont juste devant nous à 1 point, je crois. Ils ont 3 points de plus, hein, que 3 points de plus que Clermont. Ils sont 7e, les Castrés, juste à 1 point derrière La Rochelle, 6e, 46 points, et donc Clermont 10e, 42 points. Mais enfin bon, Perpignan 11e, 39 points. C'est dire quand même que tout ça est très compact. Voilà, juste un petit mot peut-être, Maxime, sur cette saison, c'est des hauts et des bas avec Clermont alors. Ah bah c'est très compliqué, hein, c'est très compliqué, parce que rien que, alors c'est vrai que ça a pas fait grand bruit, mais par exemple moi je suis un supporter de très longue date de Clermont, et par exemple là la semaine dernière que j'écoutais qu'il y avait un boycott des supporters lors des 5 premières minutes à l'entrée des joueurs, justement pour exprimer le mécontentement, ça montre que ouais, c'est très compliqué. En fait, les supporters savent pas trop dans quelle direction on va. Ils se posent beaucoup de questions, ils s'inquiètent du recrutement, ils s'inquiètent déjà de la saison prochaine, et puis même déjà de la fin de saison où on se dit on va plus jouer le maintien que les six. Donc ouais, c'est une saison qui est très compliquée. Très compliqué. Dernière question pour Mathias Roland, directeur général du Castres Olympique, et donné par Quentin, qui, on peut le dire, est un supporter du CO. Voilà, on a lu dans la presse. On a lu dans la presse que Christian Mbadiang pourrait arriver au Castres Olympique. Ça parle même de visite médicale. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il viendrait pour côtoyer Rémi Bagé, par exemple, à l'aile la saison prochaine? Tu voudrais pas sa tension aussi, non? Non, mais je sais pas, j'aimerais bien savoir si Mbadiang va venir. Non, mais très sincèrement, j'ai très peu de culture rugby, donc je sais pas du tout qui sont les deux joueurs que vous venez de citer. Donc, je vais pas pouvoir vous renseigner, malheureusement. Mais, non, plus sérieusement, vous savez, on communique traditionnellement pendant la période des mutations, la période officielle des mutations, donc voilà, pas de relation ou d'officialisation. Je pense que c'est mieux d'ailleurs pour le rugby, parce que c'est vrai que quand on voit tout ce qui est officialisé en amont, alors je conçois que ça contribue à la dynamique des clubs, etc., pour les supporters, les abonnements, etc., mais je pense qu'il faut essayer aussi d'avoir les deux pieds dans la saison actuelle. Voilà, c'est pas des choses qu'on fait généralement, donc pas de communication spécifique par rapport à ces deux joueurs. Voilà, même un peu endormi parce qu'on a appelé tard, il n'y a pas de. On peut pas. Vous avez raison, c'était un moment de me prendre sur. Ouais, on a essayé. De faiblesse, mais voilà. On a essayé. Merci, ouais. Mathias. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio, et pardon pour le petit retard. Et on remercie également Maxime de nous avoir appelé. On remercie Philippe Spanguero, bien sûr. Johan Hugé, bien sûr. Le grand Philippe Spanguero. Et on se retrouve, nous, très vite, dès vendredi, pour la Pro D2 sur Sud Radio, bien sûr, le week-end et la 20e journée de top 14.
avec donc ce Perpignan-Castres que l'on suivra également. Merci à tous. Salut messieurs. On est un petit peu en retard. Merci bonne messieurs. Soirée. Les bonne clés soirée. Jacques Pessy, merci à toute l'équipe qui nous a permis de faire ce au cœur de la mêlée. Merci à vous les auditeurs, à bientôt.